Cause I ride for my clique, I get live with my clique. Don't get high with my clique, do or die for my clique. Said it's all that I know, yeah, it's all that I know, yeah, it's all that I know. And you can't never tell me nothing. I ride for my clique, I get live with my clique. Don't get high with my clique, do or die for my clique. Hey, salut tout le monde, c'est Wazi, j'espère que vous allez bien les potos. Pour ma part, c'est vraiment tranquillou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui envoie de la patate comme toujours. Donc juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui fait vraiment extrêmement plaisir. Bref, pour ce qui s'agit du sujet d'aujourd'hui, j'ai tout simplement vous parler d'un petit sujet assez funny, assez marrant. Donc c'est un mec qui s'appelle Zazie Zombie Lego Création et il est vraiment assez fou ce mec. Donc il a une détermination de malade car son délire c'est tout simplement de fabriquer des armes en Lego. Il crée des armes de la réalité ou même de jeux vidéo comme Overwatch, Call of Duty, etc. Donc de toute façon vous aurez le lien de sa chaîne en description si vous voulez un peu plus voir son travail, ce qu'il fait quoi. Donc il faut savoir qu'il passe des centaines d'heures à créer tout ça. Et dans chacune de ses créations il y a des milliers de Lego. Franchement il fait tout simplement des répliques à la perfection. Il n'oublie pas le moindre détail. Donc vu que je suis quelqu'un de gentil, vous aurez tout simplement des extraits de vidéos ou même des photos à l'écran pour pouvoir admirer son travail. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous l'aurez reconnu à l'écran, il s'agit effectivement du FAMAS ou de la FFR. Donc t'appelles ça comme tu veux. Cette arme mythique de Black Ops 1 remake sur Black Ops 3 a été tout simplement reconstruit en Lego. Donc arme aux statistiques monstrueux. Bref, pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez. La Dingo alias la grosse batteuse aussi a pu avoir sa représentation en Lego. Arme de nouveau top de Nocturne, Tom tu connais le bail, fait pas le mytho. Non, plus sérieusement je trouve que c'est extrêmement bien fait car elle s'est pas contentée juste de reproduire l'arme, mais il a aussi rajouté les couleurs comme les quelques traits jaunes, etc. Évidemment, la FFR et la Dingo ne sont pas les seules armes qui ont été construites. C'est aussi le cas des plein d'autres, mais je peux pas tous vous les montrer. Il a aussi fait des armes du mode zombie comme le Raygun Mark III, arme disponible dans le DLC 3 de la map Grand Covey. Cette arme qui tire normalement des lasers, évidemment, ils n'ont pas pu être reproduits. Car de toute façon, je vois pas comment ils auraient pu faire, hein, on n'est pas en 2600. Le Marastago aussi a été reconstruit en Lego. Je trouve qu'il a vraiment été très très bien fait pour une arme qui sort de l'ordinaire, car c'est une arme de science-fiction et donc les Lego ne sont pas vraiment appropriés pour ce genre d'arme. Mais bon, lui, rien ne l'arrête. Tu vois, ce mec tellement est dans le futur, il a poussé son délire tellement loin qu'il a même fait des armes de spécialiste. C'est le cas du purificateur, ce qui carbonise tout sur ton passage. Pour cette construction, il a utilisé plus de 2000 pièces de Lego, ce qui est vraiment oufissime. Imagine-toi ça, 2000 pièces. Bref, tu vas me dire, ouais, mais bon, il est comme tous les autres, il a rien de plus. Détrompe-toi, petite fourmi, car il a eu la brillante idée de lui rajouter un truc unique. Effectivement, pour rendre sa construction vraiment plus hallucinante, déjà, il a tout simplement rajouté des flammes. Donc, ce qui fait que son petit Lego inoffensif est devenu un vrai lance-flamme. Donc, ça, c'est vraiment un truc de badass, t'as vu? Ça, c'est pour les. Non plus sérieusement, il lui manque plus que la combinaison de jeunes pompiers sauvages et il partira pour faire du Call of Duty dans la vraie vie. Il a aussi fait l'écorcheur, l'arme du spécialiste Spectre. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait car il a vraiment le moindre détail. De plus, il est utilisable car il est accrochable sur ton poignet. Il a aussi rajouté des LED bleus pour pouvoir faire ressortir l'arme et ça rend vraiment très très bien la nuit. Évidemment, il a aussi fait énormément d'autres armes, mais je peux pas tous vous les montrer. Donc si vous voulez vraiment admirer son travail et jeter un coup d'œil, vous aurez le lien de sa chaîne en description. Enfin voilà, les potos, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ce sujet assez cool. Car moi je me suis dit, ça peut être intéressant de vous informer que des gens s'amusent à reproduire des armes en Lego. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Bref, je vous laisse, c'était Wazi. Et je vous dis à la prochaine. Peace!